c'est Zemamouche dans les buts. À droite, c'est Mondi. Kadamourou Bougra. Cameroun, c'est Moussa Yanoussa. Et donc, le quatrième arbitre, c'est l'Algérie. À l'instant même, coup d'envoi donné par la... Le match est très important pour tous les joueurs qui ont été convoqués, puisque, comme vous le savez, Vaïd Ali... C'est lors de la réunion technique, généralement... C'est également le règlement FIFA. Oui, non, mais la FIFA, à côté là, les deux équipes doivent se mettre d'accord. C'est tout simplement, et toujours dans le camp algérien, attention à ce dégagement un peu approximatif. Alors, on avait quand même, dans la composition d'équipe, pas assez insisté sur aujourd'hui le fait qu'il y a l'attraction, ça devrait être... D'habitude, on a l'habitude de voir fort. Là, intervention un peu limite de Adjik Bougara. Ballon qui est remis derrière Kamourou, qui remonte, Bentaleb, Nabil Bentaleb, attention. Alors, un problème de micro avec peut-être Hakim. Voilà, mais l'Algérien, et ça c'est une bonne chose, en train d'observer hein, pour le moment. Hein, on est encore un peu dans le rang d'observation, hein, on est à 10 minutes. Et c'est Bentaleb qui est en train de toucher énormément de ballons dans ce début de match. Comme sentinelle. Attention! Attention! Et coup franc sifflé par l'arbitre, monsieur Alioune Sidré. Il faut quand même signaler qu'il y a. C'est récupéré par Oulem. Oulem avec Bentaleb. Avec Djabou qui a essayé de prendre ce ballon. Oulem, Bentaleb encore. Qui essaie de trouver Djabou en 1-2. C'est bien joué, Bentaleb. Avec Kadamourou qui relance là-bas au milieu. Il ne joue pas à 19 ans à Tottenham sans avoir Hakim. Hein. Ah, bien joué. Ce ballon de Bentaleb encore qui essaye de en plein air. Hein, et ça démontre toute la qualité, toutes les qualités techniques de ce joueur. Vous dire Oulem, il lève la tête, il voit Nabil Bentaleb, dommage. C'est du côté droit, non. C'est vous dire Oulem avec Nabil Bentaleb. Bentaleb qui revient. Nabil Bentaleb. Maillot de l'équipe nationale. Comment vous le trouvez? Écoutez, il est bien. Ballon pour Bentaleb. Avec Soudani. Comme Paul qui essaye de passer. Il va la donner à Bentaleb. Bentaleb, le passement de jambe de Bentaleb qui était superbe, mais dommage. Et je pense qu'il a même trompé ses partenaires. Eh bien hein, oui, on voit ici le bon ballon de la passe de Djabou et la feinte de. Même ses coéquipiers ne s'attendaient pas à ce geste technique. Donc, vous voyez. Oui, la roulette. Ah, c'était. Djabou avec Slimani. Ça va être un tir de loin de Bentaleb. Et le ballon qui sort au-dessus. Oh là 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 là. Quel tir de Nabil Bentaleb. On voit ici la passe, c'est de Slimani. Et Bentaleb qui feinte le défenseur. Avec son pied droit, c'est pas son meilleur pied. Il essaye de crucifier le gars. Encore été prise, puisqu'il n'y a que Halish qui s'est présenté pour le changement. Voilà. On peut dire que il y a le choix hein, pour Vaïd. Les crampons qui l'a touché. Le nouveau. Les joueurs de Slovénie qui perdent encore une fois le ballon au milieu de terrain. Et messieurs, sans surprise, c'est Slimani. Surtout là, il a énormément. Par Halish. Qui relance au milieu. Ah, mauvaise. Bentaleb qui remet sur. Dan avait raison. Comme toujours. Voilà. L'expérience qui parle. Poussière, hein, j'allais dire, de temps additionnel. Et donc. C'est le poste qu'il occupe à Tottenham. À Tottenham. Et messieurs, rectifiez. Il y a eu 12 changements. Normalement, il y a 6 minutes. L'arbitre a fait un petit rabais. Il a diminué une minute. Pendant que le jeu est arrêté.
avant que la mi-temps. Bentaleb montré, Yebda, bien joué de la part de Yebda pour Bentaleb. Bentaleb qui remonte avec cette balle. Bentaleb qui remonte. Et Bentaleb qui remonte, il essaie de donner une balle en profondeur.